Voilà. Bonjour mes chers amis, nous allons Bezrat Hashem entamer une étude partagée en plusieurs parties des Yud Gimel Ikarim. Les Yud Gimel Ikarim, c'est les 13 principes fondamentaux que le Rambam a définis et qui finalement, selon les propos du Rambam lui-même, dans Perek Gimel, Milchot Shuva, Alacha He, nous dit que ceux qui ont un chelek olam haba, c'est ceux qui adhèrent au Yud Gimel Ikarim. C'est dire que l'appartenance, le mérite au olam haba de chaque juif ne dépend pas simplement de sa naissance, selon le Rambam, d'être né juif, mais d'une adhésion à l'idéologie juive. Et l'idéologie juive, le Rambam l'a condensée en 13 principes fondamentaux. Le Rambam nous dit, dans Perek Gimel à la Chavav, qu'il y a certains, malheureusement, qui n'ont pas part au Olam Haba. Ve'elu she'en lem chelek lo'olam haba el anichatim ve'ovdim ve'nidonim al godel risham ve'chatatam le'olam ul'olmei olamim haminim ve'apikorsim ve'kofrim ba'torah, kofrim b'tchiyat ha'metim ve'kofrim b'viat ha'goel. Et le Rambam, après, dans la Chazayin qui va suivre, nous décrit que les minim, les apikorsim, tout cela, c'est ceux qui n'ont pas adhéré à l'idéologie des Shlosh Esrei Ikrim. Donc on a l'impression que les Shlosh Esrei Ikrim, les principes fondamentaux du Rambam, c'est un bonus, mais on peut être juif et appartenir véritablement à cette dimension qu'est le Olam Haba sans véritablement y adhérer. Le Rambam nous enseigne que non, l'adhésion idéologique aux 13 principes fondamentaux qu'il décrit, c'est ça qui fait, qui crée cette appartenance du juif au Olam Haba. Donc c'est nous dire à quel point les connaître, y adhérer, c'est fondamental. Quelqu'un qui ne les connaît pas, même si il est, c'est pas méchant, il ne les connaît pas par ignorance. Il lui manque quelque chose de fondamental dans son appartenance au judaïsme et donc au Olam Haba. Et c'est pour cette raison que Bezrat Hashem, nous allons essayer en plusieurs parties de développer ces 13 principes fondamentaux qui sont dans la plupart des communautés juives récités chaque matin après la tefila. Et on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de les dire chaque matin, de réexprimer notre adhésion à cette idéologie constituée par les 13 principes fondamentaux du Rambam. Pourquoi il ne suffit pas une fois dans la vie de dire voilà, anima amin, anima amin, anima amin, si je suis ma'amin, je suis ma'amin, point. Pourquoi est-ce que chaque jour on a besoin de répéter ces 13 principes fondamentaux? Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'au-delà de l'adhésion rationnelle à ces 13 principes fondamentaux qui créent l'appartenance du juif à cette dimension spirituelle qu'est le Olam Haba, plus on va y adhérer, plus on va les intégrer dans notre être, dans notre émotionnel, et ils ne resteront pas simplement de l'affaire du rationnel, et c'est ça véritablement qui crée cette constitution juive indispensable. Donc les Yud Gimel Ikrim, il faut impérativement les connaître, les savoir, y adhérer pour appartenir à Olam Haba, mais l'ossature du juif, c'est une ossature constituée de ces 13 principes fondamentaux. Et on va essayer donc de voir que c'est la raison pour laquelle chaque matin, chaque juif, bien souvent, les répète pour les intégrer encore davantage. Et en réalité, ce que nous allons essayer de voir, c'est que le anima amin dépasse de loin la simple adhésion idéologique à ces principes fondamentaux. Ce qui est souhaité, c'est approfondir cette adhésion et la rendre partie intégrante de notre être. Explication. On sait qu'il y a le emet, il y a la emuna. Le emet, c'est la vérité. L'idéologie juste, vraie. La emuna, en quoi elle consiste? Et quand on approfondit un petit peu la emuna, on est ma'amin b'Hashem. On est ma'amin b'Hashem. Rav Shach, dans Avi Ezri, rapporte une question de Reb Chaim Mibrisk qui demande la chose suivante. Il dit, mais quand on nous décrit quelque chose qui se passe dehors, je n'y suis pas, je crois ou pas la personne qui me le rapporte? Ça, c'est croire, quelque chose que je ne vois pas. C'est... Mais lorsque j'observe une table, j'observe un chef-d'œuvre, je sais qu'il y a un artiste qui l'a
réalisé, je sais que le menuisier a mis sur pied cette table. Je sais. Est-ce que je crois que ça a été réalisé par un artiste ou qu'un menuisier a mis sur table? Je sais. Qui? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a... Alors, demande Réprémi Brice, pourquoi lorsqu'on parle du Créateur, on parle de Emouna? On devrait parler de Yedia, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé. S'il y a une création aussi fabuleuse, indescriptiblement fabuleuse, à quel point elle est sophistiquée, le corps humain, la création dans son ensemble, l'univers, forcément, si quelqu'un est franc, il voit que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc il y a une main qui est créatrice derrière tout cela. Donc on le sait, exactement comme quand je vois une table qui est infiniment moins sophistiquée, je sais qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a créée. La même chose, l'univers a fortiori. Alors demande Réprémi Brice, pourquoi on parle de Emouna? Emouna, a priori, c'est quelque chose, un ima amin. Je crois en quelque chose qui m'est rapporté, que je n'ai pas vu, que je ne sais pas. Voilà donc la question de Réprémi Brice. Mais en réalité, nos maîtres nous enseignent que la Emouna dépasse de loin la Yédia. Lorsqu'on observe l'étymologie du mot Emouna, on voit aussi qu'il ressemble à Néhéman, quelqu'un de Néhéman. Chaque matin, on rapporte le passouk dans Vaïvarech David, dans lequel ce qui a plu chez Akadosh Baruch Hu en Avraham Avinu et qu'il a fait faire une alliance avec Avraham Avinu, c'est le fait qu'Avraham Avinu était Néhéman. Umatzata et levavo Néhéman lefanecha vecharot emo aberit. Umatzata et levavo Néhéman lefanecha. Akadosh Baruch Hu a vu Avraham, en Avraham Avinu, cette qualité de Néhéman. Et parce qu'il a vu en Avraham Avinu cette qualité de Néhéman, il a décidé de faire un brit. C'est quoi donc cette qualité de Néhéman? Pas marqué qu'Avraham, simplement, il était un tzaddik. Il y a marqué qu'il était Néhéman. Lorsqu'Hachem a vu en Avraham quelqu'un de Néhéman, alors il a fait un brit. Donc Néhéman égale brit. Pourquoi c'est la qualité de Néhéman qu'Hachem? C'est quoi quelqu'un de Néhéman? Quelqu'un de Néhéman, c'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est ça la qualité de Néhéman. C'est-à-dire, c'est pas un menteur. C'est vrai, mais c'est très, très partiel. C'est quoi mentir, Bichlal? C'est quoi mentir? Mais en réalité, on va voir que le sens de Néhéman dépasse simplement, l'idée simple de ne pas déformer la description de la réalité. Un autre endroit dans la Torah, on voit le mot Néhéman, qui, donc, comme on l'a dit, est la même racine que le mot Emouna. Néhéman, c'est quelqu'un qui est animé de Emouna. Quand Myriam a critiqué, entre guillemets, Moshe Rabbeinu aux oreilles de Aaron à Cohen, elle se demandait pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait quitté Tzipora, alors que eux aussi, Myriam et Aaron, sont des prophètes, et ils continuent à avoir une vie conjugale normale. Pourquoi Moshe, parce qu'il est prophète, a-t-il eu besoin de quitter Tzipora? Et Akadosh Baruch Hu les réprimande, la réprimande, et lui dit, mais maïdoua lo yeretem le daber be avdi be moshe bechol beiti ne'emanhu. Pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler de Moshe alors que bechol beiti, c'est celui qui est le plus ne'eman? Est-ce que Myriam, Aaron ont un seul instant remis en cause la crédibilité de Moshe? Ils ont dit qu'il n'était pas Néhéman. Regardez qu'il est Néhéman. Il dit pourquoi il s'est séparé de Tzipora. C'est ça l'argument qu'ils avaient à l'égard de Moshe. En quoi le qualificatif de Néhéman élimine l'argument de Myriam? Hachem leur fait le reproche. Le Rashbam, grand spécialiste du Pshat, petit-fils de Rashi, explique que quelque chose de Néhéman, c'est quelque chose qui est constant, qui s'inscrit dans la durée. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, on va tout de suite voir où dans la Torah on le retrouve cette idée. En l'occurrence, Akadosh Baruch Hu leur fait reproche suivant. Vous, dit Hachem à Myriam, à Aaron, vous êtes prophètes, certes, mais au moment où vous prophétisez, vous vous hissez au-dessus du niveau qui est le vôtre normalement. Vous n'êtes pas constamment au niveau de la prophétie. Il y a des moments où vous hissez au-delà de votre niveau constant et où, durant lequel, vous percevez
le message divin. Donc, vous pouvez vivre une vie conjugale normale, parce que pendant ces moments-là, vous êtes des hommes, entre guillemets, normaux, et ensuite vous allez vous hisser au moment où le message divin vous est adressé, de cette perception du message divin. Moshe Rabbeinu, il est Néman. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est tout le temps au niveau de la névoa, constamment au niveau de la névoa. Il n'y a pas de haut et ensuite il revient à un niveau classique. Moshe Rabbeinu bechol beiti ne'emanu, il est constant à son niveau. Il est constant dans sa capacité à n'importe quel instant, comme le Rambam le développe beaucoup, d'Hilchot Yesodé à Torah, que, enfin, c'est parti d'Emouna, que Moshe Rabbeinu, c'était le Avi Anevim, il était constamment à n'importe quel moment en mesure de percevoir le message divin, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de percevoir. Donc lui, vu son niveau constant de névoie, il ne peut pas, c'est différent. La définition que donne Eman, c'est quelqu'un qui est constant. Le Emet, c'est une conviction rationnelle. Mais un homme n'est pas ce qu'il sait. Il est et il sait. Ça veut dire qu'il n'est pas constamment imprégné de ce qu'il sait. Si je suis simplement dans le Emet, alors j'adhère à certaines convictions. Mais au moment où j'y adhère, au moment où j'y pense, ils font partie de moi, ils sont présentes. Mais lorsque je cesse d'y penser, quelque part, je me déconnecte un petit peu de ces convictions auxquelles j'ai adhéré. Parce que quand j'y pense, j'y suis. Quand je cesse d'y penser, eh ben, je m'en sépare. La Emouna consiste à rendre partie intégrante ces convictions de telle façon à ce qu'elles deviendront partie intégrante de mon émotionnel, elles s'exprimeront dans mon comportement, elles s'exprimeront dans mes réactions, elles s'exprimeront dans ma façon d'être, et pas simplement dans mon savoir, de telle façon à ce que ces convictions dépasseront l'adhésion rationnelle ponctuelle et temporaire au moment où j'y pense, pour devenir partie intégrante de mon être et ne jamais me quitter. Ça, c'est véritablement le défi de la Emouna. Le défi de la Emouna n'est pas simplement de savoir certaines choses à certains moments, mais c'est d'être Néhéman. D'être Néhéman, c'est-à-dire d'être constant dans cette adhésion qui, dorénavant, ne sera pas simplement l'affaire de mon intellect, qui, des fois, pensera à d'autres choses, sera, des fois, occupé par d'autres éléments, mais grâce à la Emouna, ces convictions auxquelles j'adhère deviendront partie intégrante de mon être et ne me quitteront jamais. De telle façon à ce que je suis constant dans mon rattachement indéfectible, inébranlable, et constant à cette idéologie que j'ai définie dans le Emet. Donc c'est-à-dire, le Emet est ce qu'il y a de premier. Ensuite, il va falloir ve'emouna. Emet, ve'emouna. Le emet, c'est cette conviction rationnelle, mais ensuite, après avoir défini cette conviction rationnelle, il faudra que cette conviction rationnelle devienne partie intégrante afin qu'elle s'exprime sans cesse en mon être. Dans les Mishnayot de Maseret Para, Perekret Mishnatet, nous dit la Mishnah que Maïm Amekazvim psulim le Meichatat. C'est-à-dire, pour la paradouma, pour l'eau de paradouma, il faut impérativement de l'eau de source. Qu'est-ce que l'on va qualifier de l'eau de source? Dans la Torah, c'est appelé Maïm Chaim. Maïm Chaim, donc de l'eau vivante. Et imaginons qu'il y a une source qui, des fois, cesse de donner de l'eau. Est-ce que c'est une source qui est kshera pour le meichatat, c'est-à-dire pour l'eau de paradouma, qui doit impérativement être de l'eau de source, et pas simplement de l'eau de mikvé, de l'eau de source. Est-ce que ça suffit? On nous dit non. Maïm amikazvin, la Mishnah nous dit, une source d'eau qui cesse de temps en temps de donner son même si c'est à des périodes éloignées, son eau, elle est psula le meichatat. Et faisons bien attention. Le terme employé par la Mishnah pour décrire une source qui ne fournit pas de l'eau constamment, c'est Maïm Amekazvim, Maïan Amekazev. Kazav, ça veut dire du mensonge. Sheker ve Kazav.
Un kozev, c'est un menteur. Le marien, il ment, il donne quand il a. Quand il a pas, il donne pas. Après, il ment. Ma'imam kazvim, c'est du kazav. La réponse est que la définition de ne'eman, c'est quelque chose qui est constant. Le kazav, le sheker, c'est quelque chose d'inconstant. Lorsque je suis véritablement quelque chose, je le suis constamment. Chaque fois que je vais essayer de définir ce que je suis, de me découvrir, de me deviner, je dois avoir le niveau qui est le mien de façon le plus constant. Je ne suis pas ce que je suis à la Neila de Yom Kippour. Parce que c'est un moment très élevé. Je ne suis pas constamment ce que je suis à la Neila de Yom Kippour. Alors, le Emet, c'est quelque chose qui est constant en moi. Ma'ima Mekazvim, c'est quelque chose qui n'est pas constant. Il y a marqué d'ailleurs aussi, tout ce qui s'arrête n'est pas constant et Mekazev. Parce que ce n'est pas du Ne'eman, ce n'est pas du Emet. Le Emet, c'est cohérent constamment. Dans Péréclamétrette de Bereshit, lorsqu'on décrit les enfants de Yehuda et Batshua, on nous dit que Batshua a eu Er, Onan et Shela. Vahi bikziv beledetam oto. Beledeta oto. Vahi bikziv. Il était à Kziv. Et Rachid nous dit c'est quoi Kziv? Kziv, c'est un endroit a priori, quand elle a eu Shela. Mais Rachid nous dit Kziv, ça veut dire Mishon Hafsaka. Ça veut dire qu'elle s'est arrêtée d'engendrer, s'appelle Kziv. Donc c'est comme Maïm Amikazvin. Et c'est ça la définition de Ne'eman. Et c'est ça donc la force de la Emouna. La force de la Emouna est ce qu'on attend du juif. En tout premier lieu, c'est l'adhésion rationnelle à cette idéologie des principes fondamentaux. Mais au-delà de cette adhésion rationnelle, ce qu'on en attend du juif, c'est plus profondément que cette idéologie devienne partie intégrante de lui, qu'elle s'exprime à chaque instant dans son comportement, presque de façon inconsciente, parce qu'elle fait partie dorénavant intégrante de son être, elle imprègne ses réactions. Parce que Avraham Avinu a eu cette qualité de Ne'eman, tel qu'Akadosh Baruch Hu le voit en lui, Ubatzata et Levavo Ne'eman Lefanecha, c'est pour ça qu'il va faire un brit avec lui. C'est pour ça qu'il va faire un brit. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans Nechemia, Perek Yud, Pasuk Aleph, quand on parle d'un brit, d'une alliance, il y a marqué dans le Pasuk là-bas, Anachnu Kortim Amana. Amana. Quel rapport entre Amana et Brit ? Alors, il semblerait que l'idée est la suivante. Qu'est-ce qu'un Brit, finalement ? Pourquoi on a besoin d'un Brit ? Lorsqu'on se rallie avec quelqu'un. On a besoin d'un Brit, on s'est allié avec quelqu'un. Une alliance. C'est tout. Pourquoi on a besoin d'un Brit ? On décide de... Un Brit, c'est bien plus profond que... qu'une amitié, c'est bien plus profond qu'une décision de vivre avec quelqu'un. On fait une alliance avec quelqu'un. Pourquoi on fait une alliance ? Alors je dis très rapidement, parce qu'en réalité, le Brit rejoint la Emouna. C'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu en Avraham les qualités de Ne'eman, il décide de faire un Brit avec lui. Je dirais très rapidement, le verbe de sceller une alliance en Lashon HaKodesh s'appelle « Lichrot Berit »« Vecharot et moi Berit ». Et ce qui est étonnant, c'est qu'un brit, c'est tout sauf, a priori, une krita. Krita veut dire couper. Un brit veut dire allier. Une alliance, par définition, c'est allier. L'ichrot, c'est couper. Donc, c'est, quand je m'allie, je ne coupe rien, je rattache. Or, le krita de brit, c'est... Nous dit le Gaon de Vilna que pour faire une alliance, il faut couper une facette égocentrique de sa personne. C'est-à-dire... Pour s'allier, c'est s'unir. Pas simplement s'allier pour boire des cafés ensemble, c'est devenir un. C'est ça le brit, dans la chaîne à Kodesh. C'est exister autrement. Quand je fais un brit avec quelqu'un, c'est pas que je décide d'être son ami, je décide dorénavant d'exister qu'à travers ce lien. C'est-à-dire que je vais me débarrasser d'une facette égocentrique de ma personne qui me permet d'avoir une suffisance de moi-même, pour dorénavant n'être capable d'exister qu'à travers ce lien. Pour s'unir, devenir un, il va falloir se transformer en moitié. Si je suis un et un, on ne peut pas s'unir. Si je me deviens moitié, alors je peux avec quelqu'un d'autre qui accepte aussi d'être moitié, de devenir un. C'est devenir moitié, c'est-à-dire ne plus être capable de vivre
indépendamment de ce lien. Cette personne avec laquelle je vais m'allier deviendra partie intégrante de mon être. C'est l'extension du moi. Mon moi se résumait à ma personne, dans un premier temps, jusqu'au Brit. Après le Brit, mon moi va s'étendre et la personne que je vais choisir, avec laquelle je vais faire ce Brit, alors elle va devenir partie intégrante. Donc ça veut dire, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et faire un Brit, c'est quelque chose d'inébranlable. D'une certaine façon, faire un Brit, c'est quelque chose de constant. On fait un Brit parce que finalement, des fois, quand tout va bien, eh bien tout va bien. Pas besoin de Brit. Le Brit est là parce que quand les choses vont moins bien, mais ça fait partie, si mon bras gauche me démange, je ne vais pas le jeter, Khalila. Ouais, c'est mon bras gauche. Ouais, il me gratte, ben, je vais le jeter. Mais non, c'est mon bras gauche. La même chose, un Brit est là pour finalement créer une entité et inscrire ce lien dans la constance. Quand Hachem observe Avraham Avinu, il le voit Néhéman, voit à quel point Avraham Avinu, malgré tous les nisyonotes, est constant dans son adhésion à Hachem, là il dit, alors je vais faire un Brit avec lui. La réaction de cette constance, c'est un Brit qui s'inscrit dans la constance. Ça, c'est véritablement l'idée de Vecharot et Moabérit. Lorsque on parle de Emouna, on ne parle pas simplement d'adhésion rationnelle à une idéologie. Lorsqu'on parle de Emouna, on parle de transformation de l'être. L'être, dorénavant, ce qu'il est, pas simplement ce qu'il sait, ce qu'il est appartient à une dimension bien supérieure. C'est pour ça que chaque jour, on doit répéter Anima Amin. On ne dit pas Anima Amin qu'il y a Hachem. On est Anima Amin Bo. Ça veut dire que dorénavant, mon émotionnel s'appuie sur lui. Anima Amin Bo. On ne dira jamais Anima Amin Shiesh Hachem. Aniyodea Shiesh Hachem. Je sais. Aval Anima Amin Bo, ça veut dire je m'appuie sur lui. Pour lui, pour moi, c'est son existence. C'est sur lui que je vais m'appuyer. C'est sur lui que je veux appuyer Anima Amin, c'est-à-dire que mon émotionnel se rattache à lui. Ça, c'est Anima Amin Bo. Ça, c'est l'idée donc de la Emouna. C'est pour ça que dans les Shloshes Rigrim, il ne suffit pas de dire une fois dans la vie, c'est bon, je sais. Les 13 principes fondamentaux, j'y adhère. Rationnellement, j'y crois. Non. Il faut être Anima Amin. Chaque jour, dit Anima Amin pour que intégrer, imprégner. La Emouna, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a infiniment de niveaux, de dimension, et plus on s'en imprègne, plus on devient ce que véritablement l'idéologie à laquelle on adhère. L'idée, c'est de devenir. Pas simplement d'adhérer rationnellement, de devenir. Et c'est ça la Emouna. Parce que lorsque je deviens, c'est forcément constant. C'est parce que ça fait partie de moi. C'est pas ponctuel au moment où je le sais. C'est partie de moi. Ça, et plus je suis ma'amine, plus ça s'exprime dans ma façon d'être, dans chacune de mes réactions, dans chacune de mes initiatives. Je terminerai pour montrer jusqu'où la Emouna peut arriver avec une histoire très intéressante qui est rapportée à la Gemara Ta'anit d'Afrafé de la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, bien connue, une histoire dans laquelle la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, un Erev Shabbat, un vendredi, allumait les bougies avec du vinaigre au lieu de les allumer avec de l'huile. Et puis, lorsque son père la voit, il lui dit pourquoi elle était triste. Il lui dit pourquoi t'es triste. Il lui dit j'ai confondu le vinaigre, j'ai versé du vinaigre dans le récipient plutôt que de l'huile. Il lui dit mais quel problème? Misha amar la shemen ve'adlik, yomar la chomet ve'adlik. Celui qui a donné l'instruction à l'huile d'alimenter la flamme, il donnera l'instruction au vinaigre d'alimenter la flamme. Et effectivement, le vinaigre alimentait la flamme. Et la question qui saute aux yeux, c'est, elle était triste, pourquoi? Parce qu'elle avait confondu. Donc mais elle voyait que le vinaigre alimentait la flamme. Quand on allume une flamme sur du vinaigre, normalement, ça ne dure pas plus de quelques secondes. Donc elle a vu que le vinaigre alimentait la flamme. Alors pourquoi est-ce qu'elle était triste? Nous dit le Ben Ishraïs, Ruto Yagan Alenu, dans Ben Yehoyada. Il dit comme ça. La raison de sa tristesse est la suivante. Parce qu'elle croyait qu'elle avait sollicité un nes. Et la Gemara nous dit que tout celui qui sollicite un nes, on lui déduit ce nes de ses mérites. Donc elle était triste, elle a dû solliciter un nes. Son père lui dit, mais c'est pas un nes. C'est pas un nes, pourquoi? Ça veut dire que, à leur niveau, ils n'étaient pas plus impressionnés par
une flamme qui est alimentée par le vinaigre que par une flamme qui est alimentée par l'huile. Pour eux, ils vivaient ça de façon totalement égale. Pourquoi ? Parce que nous, on ne le vivra pas de façon égale à notre niveau aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que naturellement, l'huile alimente la flamme, mais le vinaigre n'alimente pas la flamme. Et si on le voit pour nous, ah, mais on sait qu'Hachem alimente chaque instant, chaque chose, comme on le verra à Bezrat Hachem dans le premier des Shlosh Esrei Krim. Chaque chose est alimentée par Hakadosh Baruch Hu, l'énergie de chaque chose. Et c'est une énergie qui est offerte par Hachem à chaque instant. Donc l'huile aussi, c'est l'huile qui alimente la flamme, c'est aussi le fruit de l'intervention divine. Et bien là, le vinaigre. Le Teva, il nous donne émotionnellement l'impression que ça, c'est plus, entre guillemets, normal. Mais eux, ils avaient tellement la émouna bien intégrée, bien imprégnée au plus profond de leur être, qu'ils vivaient de façon totalement, émotionnellement, de façon égale. Et c'est pour ça qu'il lui dit, tu n'as rien à craindre, ma fille, de certains mérites qui te sont déduits, parce que non, comme on vit, celui qui ne vit pas de façon égale, alors comme il dit, waouh, alors c'est une révélation plus intense de l'intervention divine, effectivement, on lui déduit de ses mérites. Mais pour celui pour qui il vit de façon égale, alors il voit pas ça de façon différente. Donc il ne dit pas. Ça, c'est la Emouna dans toute sa splendeur. Parce que justement, la Emouna n'est pas simplement un savoir rationnel qui est ponctuel, mais un devenir de l'être qui par cette adhésion, et dans laquelle cette adhésion s'exprime dans chacun de ses faits et gestes, dans chaque initiative, dans sa façon de penser, même quand il n'y pense pas, c'est imprégné de cette Emouna. Ça, véritablement, c'est l'objectif du Anima Amin des Shlosha Asari Karim, afin d'avoir la constitution juive jusqu'au bout de notre être. Alors c'est à force, Bezrat Hashem, de voir et revoir ces 13 principes fondamentaux que véritablement on deviendra dans chaque parcelle de notre être un juif dans lequel ces Shlosha Asari Karim s'exprimeront à chaque instant de notre vie.